Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up où je vais comparer deux palettes dupes. Une dont le prix avoisine les 20€, qui est donc la mini Topaz Obsession, le format voyage de chez Huda Beauty. Et une dont le prix de 3,50€, c'est encore marqué sur la petite vignette là-haut, qui est la Peach Dream de chez Primark. En fait, j'ai déballé mon calendrier de l'Avent fil unique, comme vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, et j'ai trouvé cette palette à l'intérieur, et sur le moment je me suis fait « Ah, c'est marrant, j'ai aucune palette qui ressemble à ça et tout ». En fait, j'ai sorti ma vidéo, j'ai fait « Mais en fait, t'es con, t'as acheté celle-là à Primark, c'est exactement la même ». Alors, c'est pas exactement la même, déjà, le packaging, il y a moins de quantité de fard dans celle-là que dans celle-ci, ce qui explique aussi son prix. Celle-ci a un miroir, celle-ci n'en a pas, d'ailleurs j'essaye de ne pas vous aveugler complètement. Les teintes sont pas exactement les mêmes, mais franchement ça se ressemble, à savoir que le jaune qui est là n'est pas du tout équivalent au jaune qui est là. Mais à part ça, la teinte du milieu est exactement la même. Cette teinte-ci et cette teinte-ci sont équivalentes dans celle-ci avec celle-là et celle-là. La teinte la plus foncée n'est pas la même, par contre le marron n'est pas équivalent à ce rouge-là, mais ce rouge-là se rapproche beaucoup de celui-là. Il y a 4 fards irisés dans celle-là, il n'y en a que 3 dans celle-là, mais il y a le doré et le doré, le rose et le rose qui est là, et le orangé, il se rapproche de cet orangé-là. Celui-là donc n'a pas d'équivalence, bien sûr. Et sur celle-ci, il y a un beige clair et un rose plus foncé, donc qui remplace l'irisé qui est en plus dans cette palette-là. Le beige clair, franchement, moi je trouve que c'est même un plus pour la palette Primark, parce que c'est toujours sympa d'avoir une couleur mate claire quand on a la peau claire comme la mienne. Celle-là, du coup, ben, pour ma peau, pour estomper, je suis un peu dans la cata parce que ce rose est beaucoup trop foncé pour moi. Voilà, elles sont donc très comparables et j'ai décidé de vous les comparer aujourd'hui, à savoir que ce côté-là a été fait en Primark et ce côté-là a été fait en Huda Beauty. Donc bien sûr le tuto est complet, hein, je vous montre mon teint, tout ça, tout ça, tout ça, mais on va beaucoup se pencher sur ces deux palettes pour comparer les deux fards. Donc on commence tout de suite par le teint, je vais juste faire ma base et mon fond de teint et ma poudre avant de faire les yeux. Du coup pour la base j'utilise celle-ci de chez Herborian, c'est la Pink Perfect Crème. Elle a juste une action un petit peu perfectrice, floutante, tout ça, tout ça. Et j'utilise au jour le jour parce que pour celles qui le savent pas, encore une fois, Herborian c'est des produits make-up qui sont toujours avec une part de soin à l'intérieur. Pour mon fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser le Match Perfection de Rimmel. C'est la teinte la plus claire, mais ça fait bien longtemps. Ah non, c'est marqué dessus, la Light Porcelaine. Je suis obligée de changer de fond de teint, honnêtement c'est pas mon fond de teint préféré, mais c'est le seul qui a ma teinte du moment, vu qu'on est officiellement en hiver et que j'ai officiellement perdu 15 teintes. Okay. Du coup je prends mon petit pinceau, il vient toujours de Céadop, c'est toujours le même que j'utilise pour le teint. Je vous avoue qu'aujourd'hui je comptais prendre le Beauty Blender, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. On va voir si c'est à la bonne teinte ou si c'est un peu clair. Je sais que mon fond de teint... Clarins... Et trop foncé pour moi. Non, ça a l'air d'aller, ça va. Ça m'éclaircit un peu, mais ça a l'air d'aller. Et je vais juste m'arrêter là et faire mes yeux, en fait. Donc, comme base, je prends de chez Adopt la Midnight Shadow, qui est une édition limitée de Noël, mais que je vois toujours en magasin, parce que je crois qu'ils en ont fait beaucoup trop quand elle était limitée, et du coup, on la trouve tout le temps. Et c'est juste une base très très irisée, comme ça, très jolie pour les fêtes d'ailleurs. Donc, j'ai essayé de prendre les couleurs en commun sur les deux palettes, j'ai essayé de pas vous aveugler. Du coup, je pense que je vais prendre un mix de celle-ci et celle-ci, et un mix de celle-ci et celle-ci pour faire mon creux de paupières. Donc c'est parti, donc je commence par la plus claire. J'ai deux pinceaux comme ceci qui se ressemblent pas mal, un de chez Primark, un de chez AliExpress. Donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser le Primark avec la palette Primark et l'AliExpress avec la palette Huda Beauty. Non, au final je vais prendre celle-là, je trouve qu'elle ressemble plus à l'autre palette. Je vais prendre celle-là pour commencer. Oups, j'ai foutu mon ongle dedans, c'est pas grave. Donc, bon... Les fards Primark, ils sont toujours poudreux, mais souvent ils sont assez... Par contre, j'ai besoin d'un miroir. Ils sont assez pigmentés.
On est pas mal. On change, on passe à l'autre. Et du coup, pour celle-ci, donc je vais prendre cette teinte-là qui me semble qu'il ressemble pas mal. Ah, on est poudreux quand même sur la Huda. Hein. C'est mon premier test de la Huda, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais question pigmentation, on n'est pas dans le même monde en fait. Hein. Clairement, on n'est pas dans le même monde. Et ça se diffuse beaucoup, beaucoup plus. Genre ça s'étire en fait. Voilà. Ok, du coup, ensuite, je reprends la Primark. Et je prends donc la teinte la plus foncée qui est celle-ci pour venir tout simplement approfondir mon creux de paupières. Ok, on est parti. Donc, les parts sont très faciles à prélever sur les deux. Un peu plus poudreux quand même sur la Primark, hein, on va pas se mentir. Et nettement pas pigmenté. Donc celui-là, là, sur la Primark, le foncé, clairement, faut y aller. Donc, je travaille vraiment plus sur l'externe. Je remonte pas jusqu'à l'interne. Là, je veux vraiment foncer mon coin externe. J'ai un lapin sur mes genoux qui est en train de se demander ce que je fais et de sniffer les palettes. On n'est pas sorti de l'auberge, oui mon lapin nounou, oui bisous. Mais on a déjà fait bisous ce matin, lapin nounou. Oh. Attends, à chaque fois que je maquille avec une palette, je fous un coup avec le derrière du pinceau dans la palette. Donc ça y est, la Huda, je l'ai niqué. Ça me saoule. Non, franchement, avec la Primark, on arrive à quelque chose. On teste avec la Huda, et donc c'est bien cette teinte-là que je vais prendre, parce que celle-là, il n'y a pas d'équivalent sur la Primark. Donc je vais prendre celle-ci. Toujours avec le même pinceau, hein. Ça je m'en fous, je suis en train de faire mon creux. De toute façon, je veux que les deux couleurs se dégradent l'une dans l'autre. En fait, du fait que la Primark soit plus poudreuse, elle s'étale plus quand vous l'appliquez naturellement. Alors qu'avec celle-ci, c'est plus précis comme résultat. Mais bon, après, c'est d'autant mieux si vous voulez faire un make-up précis. C'est vrai que celle-là, j'ai eu un halo de suite, et celle-là, je sais pas si vous pouvez voir, c'est beaucoup plus précis. Mais franchement, jusqu'à maintenant, je sais pas dire que c'est deux palettes différentes. Je sais pas pour vous. Et alors, l'avantage, c'est que dans la Primark, j'ai un fard beige, mais à ma teinte, celui-là. Donc je vais le prendre pour venir estomper. Par contre, il est hyper poudreux. Waouh ! Il est plus poudreux que les autres de la palette. Et je vais venir estomper mon dessous de sourcil avec. Par contre, pour la Huda, ce fard-là, il est beaucoup trop foncé. Bon, j'ai pas deux pinceaux exactement équivalents, mais on va dire qu'ils se ressemblent. Donc ça, c'est un Wish et ça, c'est un AliExpress. Du coup, je vais garder AliExpress pour la palette Huda pour moins me perturber. Ils sont quand même assez foncés, les fards, par rapport à ma teinte de peau. J'obtiendrai pas un truc clair. Donc ils sont poudreux comme d'habitude. C'est moins pire que ce que je pensais. Je pensais que ça serait moins pigmenté. Franchement, pour l'instant, il est très très beau sur la paupière. Il est très très beau. Non, franchement... Bon, après, j'ai mis une base hyper... pailleté, donc forcément ça fait ressortir ce genre de fard. Je vais essayer au doigt quand même par curiosité, voir si on obtient un truc. Ouais, ça force un peu, mais c'est pas non plus la révolution. Vous en pensez quoi? Moi je trouve ça pas mal. Ok, donc on change de pinceau, on va prendre le même fard. Alors franchement c'est dur quand ils sont sur la palette. Okay, celui-là il est pas poudreux par contre, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de mal à le prélever au pinceau. Donc peut-être qu'il est beaucoup plus crémeux que l'autre, mais il s'applique aussi. Il s'applique aussi. Franchement, on voit tout de suite que j'en ai. Donc je vais pas me plaindre. Pareil, j'ai envie d'essayer au doigt, donc je vais prendre ce doigt-là. J'avais pris celui-là, bon, je voulais pas un doigt d'honneur. Hein. Waouh, sur le doigt, il est beaucoup plus magique que l'autre. Par contre, il y a une réelle différence au doigt. Et j'ai très 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 envie, mais ça c'est par curiosité personnelle, de tester ce fard ici, qui a l'air en fait d'être plus de la paillette pressée. Ouais, il n'y a pas une réelle différence. Je pensais que ça allait faire
plus un effet paillette, mais non. Ok, on en est là. Je vois pas de chute particulièrement. Je vais venir faire mon ras de cils juste en prenant les deux couleurs foncées initiales, mais je vais le faire hors caméra parce que vous n'avez absolument pas besoin de suivre cette étape-là. Ok, je vous reprends, j'ai pris le ras de cils inférieur, j'ai juste mis du jaune, donc j'ai pris les mêmes couleurs que sur le supérieur. Juste j'ai mis du jaune au coin interne et le jaune est légèrement différent sur les deux palettes. Je pense que vous le voyez, il est beaucoup plus clair et pétant côté Primark et beaucoup plus ocre côté Huda Beauty. Je vais prendre le Lasting Perfection de collection et celui-là il est en teinte Cool Fair, la 1A. Mais ma teinte normale c'est la Fair, c'est la 1 qui est plus neutre. Celle-là en fait elle est plus rosée. Mais aujourd'hui dans ce make-up elle va nous servir puisque vu que j'ai été très orangée sur les yeux, je vais contraster avec une couleur plus rose sur le dessous de l'œil. Puisque si je mets de l'orangé en fait ça va encore plus faire ressortir le côté orangé sur mon teint. Du coup, je viens l'appliquer juste ici. Je le rapproche pas trop de mon racine inférieure parce que sinon quand je l'estompe après j'ai des petits soucis, c'est à dire que j'estompe j'efface en fait le fard à paupières du ras de cils. Donc je laisse une petite marge comme ça je peux venir l'estomper tranquille. On va voir si j'ai quelques imperfections. Honnêtement je suis pas là pour avoir un teint parfait. Tiens j'ai un poil de lapin là. Je suis pas là pour avoir un teint parfait donc c'est pas grave s'il y a quelques imperfections. Ok, je viens estomper ça tout simplement au doigt et c'est là qu'on voit que je vieillis parce que plus le temps passe, plus j'ai des ridules sous les yeux. Pour la poudre, je teste avec vous, aujourd'hui c'est la journée test, une petite houppette de AliExpress, voilà, j'avais... On voit beaucoup les youtubeuses prendre des houppettes en ce moment et je voulais être dans le game, donc j'ai pris une houppette. Et pour la poudre, j'ai ressorti une très vieille poudre que je n'ai pas utilisée depuis longtemps, qui est la Revlon Photo Ready en teinte 10, mais vu que j'aime pas trop mon fond de teint en caméra, ma petite poudre Revlon, que je trouve très sympa en caméra en fait, c'est pour ça que je l'ai sortie, tout comme je trouve, oula, par contre là on est sur du vrai poudrage, hein. On va un peu étaler ça quand même, parce que, mais bon, ça me fait une sorte de baking sous les yeux, c'était pas le but, mais why not. Et on voit vraiment là où j'en applique et là où j'en applique pas, c'est un truc de fou. Ouais, du coup ça va peut-être m'ajouter un petit peu de couvrance. Par contre ça me fait un teint poudreux au possible. Hein. Wouhou ! Vive la poudre. Mais c'est vrai que par contre ça me l'a carrément unifié. Par contre je ressors pas du tout, je ressors hyper rose à la caméra. Alors que pas du tout dans la vérité. J'essaierai de régler ça au montage. Et ben ça m'a l'air pas mal. Moi, j'aime bien cette petite toupette. Je l'ai achetée pour faire mes retouches pendant la journée. Mais pourquoi je ressors avec une ombre rose sous le nez? Attends, des fois les caméras je comprends pas. Hein. Bref. On va venir réchauffer mon teint parce que là tout de suite j'ai l'air d'un cadavre. Pour ça je prends... pareil, j'ai ressorti des vieux trucs en fait de mes placards que je m'en sers jamais. Et je sais que je les aimais à l'époque et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de les utiliser. Du coup là je me suis dit je vais tout ressortir. Du coup j'ai sorti le Physician Formula, je sais pas du tout quel est son nom. Mais c'est un bronzer et je crois qu'on le trouve encore. Qui a la particularité d'en avoir une teinte froide pour faire ton contour et une teinte chaude irisée pour faire ton bronzing. Donc moi je m'en fous, je mélange les deux et je fais une sorte de contouring plutôt. Hein. Enfin de toute façon le but c'est que je me réchauffe le teint. J'y vais avec un pinceau de Primark extra fluffy et comment dire, pas du tout dru en fait. Donc j'obtiens un résultat vraiment très, très léger, très diffus. Mais ça réchauffe quand même un peu la chose, parce qu'il faut dire que j'ai quand même l'air de sortir d'un cimetière. Pour le blush, j'ai pris un blush très discret qui est celui-ci, c'est le Smoothie Blush. Je crois aussi que c'était une édition limitée d'été de chez Adopt. Mais moi en fait j'achète tout le temps leurs éditions limitées parce qu'à la fin de l'été quand les soldes arrivent, enfin à la fin de l'été même au cœur de l'hiver quand les soldes arrivent, je passe dans leur magasin au niveau des soldes et donc je prends les vieilles collections d'été. Et celui-là il a vraiment un effet très discret, très bonne mine, donc il est un peu mousse en texture, c'est assez particulier. Mais je trouve qu'il se travaille très bien, donc je l'applique. Donc je vais le mettre ici avec un doigt au cœur de ma pommette et je vais venir l'étirer vers le haut. Ah je commence quand même à être plus humaine avec un petit peu de couleur sur les joues. Non franchement vous trouvez pas que je faisais peur avant?
Donc, pour le blush, j'ai sorti du calendrier NYX de l'année dernière le Parasadize Fluff Highlighter en teinte... Enfin, c'est un highlighter en teinte Candy Cloud qui est comme ça. Donc, il est beige. En fait, j'en ai un très froid, un très chaud, mais trop foncé pour ma peau. Et celui-là, il est chaud, mais pas trop foncé. Et je me suis dit, avec le make-up que je vais faire, je vais quand même pas mettre un highlighter froid. Ça va pas du tout bien aller. Je suis vraiment partie tout dans les teintes orangées. Pas un look uniforme non plus, mais tout dans les mêmes teintes. Je me suis dit, je vais pas me casser la tête à chercher des trucs qui vont ensemble. Donc, c'est un petit pinceau que j'ai eu dans une Birchbox qui est de la marque IBY. Et je l'aime bien pour appliquer mon highlighter parce qu'il est très précis. Donc j'ai trouvé cette révolution qui est le matte finish de chez NYX. Ça c'est le format voyage que j'ai fini. Je vais peut-être aller les racheter cet après-midi d'ailleurs en grand format. Je le kiffe, je trouve qu'il y a une réelle différence sur mon teint. Il est assez économique franchement parce que je crois que ça fait plus d'un mois que je suis sur ce petit format là. Et je l'utilise vraiment tous les jours. Et en fait depuis que je l'utilise je trouve que... avant en fait vers 14-15 heures, si je passais un mouchoir sur mon visage, mon mouchoir qui ressortait orange. Maintenant si je passe un mouchoir il ressort légèrement beige en fait. C'est vraiment rien à voir avec avant, puis les brillances tout ça, enfin le mascara. Et aujourd'hui je teste un nouveau mascara que vous connaissez sans doute, mais moi j'arrive toujours après la guerre. Je teste le Marc Jacobs, le Velvet Noir Major Volume Mascara. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans du Marc Jacobs, donc j'ai un peu hâte de le tester. Moi je suis fan du Urban Decay, là ça fait plusieurs mois que je fais une fixette dessus, le Better Than Sex, mais on va voir si le Marc Jacobs le surpasse. Pour mes cils, le Better Than Sex est juste, il n'a pas d'équivalence en fait. Parce que j'ai les cils qui se recourbent pas, et le Better Than Sex c'est le premier mascara de ma vie qui me les recourbe sans recourbe-cils. Donc comment vous dire que je ne suis pas prête de l'abandonner. Je vais mettre à la place le PS Liquid Matte, donc de chez Primark, et je suis pas sûre qu'il ait une teinte. Comme vous le voyez, il est un petit peu trop clair, mais enfin c'est pas grave, on y survivra. Et donc dessus cette fois-ci je vais mettre le Butter Gloss de chez NYX en teinte Glaze Y Days. Et il vient un peu rattraper la couleur. En tout cas, je trouve. Et il y a toujours un petit lapin qui veut savoir ce que je fais. Mon lapin. Maman filme une vidéo. Tu veux apparaître sur la vidéo? Tu veux qu'on te montre? Regardez le chose. Il est là. Moui, t'es un lapin. Moui. Moui. Bref. Voilà, ce look est terminé. Au final, pour la comparaison des deux palettes, franchement, vous me direz, mais je vois pas de différence. Hein. Je vois, en tout cas, sur le look que j'ai fait. Je pense que si j'avais essayé autre chose, forcément, il n'y a pas exactement les mêmes couleurs dans les deux palettes. J'ai un poil de lapin sur le gloss. Donc, j'aurais eu un peu de mal. Mais franchement, pour ce look, je le trouve excellent.